Pendant deux jours, du 14 au 15 avril 2021, les experts en matière d'hydrocarbures et les sociétés pétrolières ont minutieusement travaillé pour fixer les prix du brut exploité en République du Congo au cours du premier trimestre 2021. Cette réunion a été organisée par la société pétrolière Wingwa. Son directeur général a souligné un début encourageant des cours du pétrole pendant cette période. Après plus de deux ans, lorsque nous organisions pour la toute première fois cette traditionnelle activité, nous considérions cela comme étant un baptême de feu. Je peux vous dire combien sommes-nous honorés par cette confiance renouvelée d'être l'organisateur de cette réunion de fixation des prix du premier trimestre 2021. Nous croyons que cette fois-ci, nos prestations aurait répondu à nos différentes attentes. En dépit du contexte mondial très marqué par le virus COVID-19, ce qui a très durement affecté notre industrie, nous constatons un début de redressement des cours, sans doute dû à la découverte des vaccins permettant de nous mettre à l'abri de cette maladie. C'est une nouvelle très encourageante. Pour sa part, la présidente du comité des prix et directrice générale des hydrocarbures, Teresa Goma, a félicité le travail abattu par les experts par visioconférence avant de rendre public les prix fixés des hydrocarbures produits au Congo au cours du premier trimestre 2021. Pour ce qui concerne le Cossa Blend, pour le mois de janvier, les prix ont été arrêtés à 53,547 dollars par baril. Pour le mois de février, 63,614 dollars par baril. Et pour le mois de mars, 64,631 dollars par baril. Les signataires sont d'une part le ministre des Hydrocarbures et d'autre part les sociétés pétrolières suivantes: la SNPC, Total EP Congo, Eni Congo, Lukoil, Chevron, AOGC et la Sonarep. Signalons que la prochaine réunion de fixation des prix du brut congolais sera organisée du 14 au 15 juillet 2021 par la société Chevron.